Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Marion. Alors, entre cette fin de week-end, voyons quelles sont les énergies à venir. On va aller voir un petit peu où en est votre autre. Alors, séduction, pouvoir, famille. Ok, j'ai la carte de l'enchanteresse. Est-ce qu'on a autre chose? Une de plus pour les énergies, voyons. Transformation, clarification. J'ai aussi la dualité et le mouvement. Autre chose? Non. Alors, il y a du mouvement là. Chez vous, mais chez votre autre. Mais il y a aussi beaucoup de dualité hein, par rapport à tous ces mouvements. Donc, pour certains, il y a des joies, hein, des retrouvailles, des clarifications, en tout cas des reprises de communication, si ce n'est pas encore forcément des réunions. Mais il y a un fort pouvoir de séduction là, chez les féminines, non, chez le couple sacré. En tout cas, il y a pas mal d'attractions. Ouais, on va aller voir. Si on peut en dire un peu plus. En tout cas, j'ai un masculin là qui a des conscientisations sur ce qu'il peut ressentir à l'égard de sa féminine. Hein. Voilà. Alors, vous ramenez à vous, toujours, c'est collectif, mais qui dit masculin ou féminin, c'est des polarités. Bon. Il y a besoin d'avoir de la transformation sur la communication, sur le mode de communication, parce que j'ai le chakra sacré, le chakra pardon, de la gorge qui est complètement obstrué. Mes enfants, il va falloir parler. Et la féminine, il y a des choses qui lui restent en travers. Et féminine, on te dit freine-toi, méfie-toi. Bon, là, j'ai rien qui tombe, donc c'est pas pour maintenant. Féminine, attention de ne pas briller dans le règlement de compte. Non, celle-là, pourquoi pas? Allez. On va voir avec l'oracle de la sagesse. J'ai encore Sabine Paturel dans la tête. Hein. J'ai tout mangé, le chocolat. Parce que c'est plutôt le fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je ne fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout bien installé la glu. C'est un peu ça. Hein. Tout péter ta vaisselle, cramer tes rideaux. Ah, cramer tes fringues. Bon, tout va bien. J'ai des féminines. Alors, j'ai deux sortes de féminines. Celles qui sont plutôt en complétude et qui sont. Pardon, quand je baille, c'est que je canalise et qu'il y a des choses qui se nettoient à travers ce que je dis. Donc, voilà. Alors, pour celles qui ont atteint une certaine paix intérieure, etc., on est dans la. Il va y avoir des clarifications, des choses à venir, des choses qui vont se mettre en place. Voilà, il y a un cœur fidèle de toute façon des deux côtés. Pour celles qui sont en mode Sabine Paturel et j'ai tout fumé, les Craven A et voilà. Il y a encore de la colère, il y a encore des blessures à épurer, de la dépendance affective. Et on vous dit qu'il y a une loi du karma qui s'appelle la loi de la responsabilité. Vous êtes responsable de votre vie. Ce ne sont pas les autres qui sont responsables de vos petits tracas ou de vos petits malheurs. C'est vous. Voilà. Et que si vous les vivez, c'est que ce sont des apprentissages. Donc vous devez tirer une leçon et du coup en tirer une transmutation du positif. Ne vous laissez pas happer. Alors je sais que c'est facile à dire hein, quand on n'est pas le nez au milieu. Mais de belles choses sont à venir pour les deux cas de féminine que je viens d'énumérer. Bon, super. En tout cas, on me parle de l'heure de la sieste. Pardon, et là je baille. Grande fatigue là. Grande fatigue chez les féminines. Besoin de retrouver la paix, mais la paix de la tranquillité. Hein. Et grande fatigue chez les masculins, mais beaucoup moins quand même parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Mouvements émotionnels, mais pas que. Hein, professionnels pour pas mal d'entre vous. Des conscientisations, des envies. On acte des séparations, des prises de décision, des prises de position. Et c'est ce qui va permettre, courant du printemps, d'aller
d'avoir des clarifications avec cette féminine à qui on a tant envie de parler. Voilà ce que l'on a envie de dire. Ouais. On sort du conflit et du chaos. C'est sûr que la clé de toute relation, qu'on soit en lien sacré ou pas du tout, hein, j'ai envie de dire, juste d'humain à humain, c'est de communiquer, mais de le faire de la meilleure des façons, pas dans l'ego, pas dans l'impulsivité, pas pour avoir des réponses et encore moins dans ces parcours de lien d'âme où on veut savoir absolument pourquoi t'es pas là, pourquoi t'as pas fait, pourquoi ci, pourquoi ça. Non, c'est pas fait pour ça du tout. Hein. C'est pas du tout une quête de l'amour absolu, c'est une quête de l'amour inconditionnel, de la compassion pour soi. Alors pardonner, ça veut pas dire cautionner, mais si ces choses-là arrivent, c'est que vous avez des apprentissages à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vos chakras de la gorge sont coincés parce que j'ai la gorge sèche et que je vais boire déjà au bout de 5 minutes. Ça promet, hein? Pardon. Bon, j'ai quand même la carte de la réunion. Mais il y a des blocages. Et ouais. Il y a des blocages sur le passé. Il y a peut-être des épurations karmiques à faire. N'oubliez pas que on vit dans l'ici et maintenant, mais on ramène des choses et des blocages des vies antérieures dont on est responsable aussi, parce que c'est nous qui avons vécu les autres vies, etc., etc. Et là, il y a des choses à épurer, il y a des choses à conscientiser et comprendre. Donc, on me parle d'hérédité transgénérationnelle et vie antérieure. Mais il me semble que j'avais déjà pas mal insisté. Ça me parle, du coup, dans ma dernière guidance où je parlais de peut-être de vous faire faire des lectures akashiques. Voilà, et ça revient, parce que vous voyez, c'est pas moi qui l'invente, blocage passé pour pouvoir aller vers la complétude, le bonheur, les engagements, la réunion, etc. La réunion d'abord avec soi-même et pourquoi pas avec son autre, ou en tout cas avec la personne qui vous est destinée dans l'ici et maintenant. Sachez que quand on vous dit l'amour est là, c'est pas nécessairement votre jumeau, votre jumelle, votre âme jumelle ou machin, c'est la personne qui est capable d'accueillir ou de vibrer à la même hauteur que vous, hein, voilà, c'est ça en fait, hein, c'est la personne qui est pas capable de vous accueillir et que vous êtes capable d'accueillir, parce que ce n'est pas à sens unique, les poulets. D'accord, donc ça c'est important de le savoir. Donc on me reparle encore donc de ces déblocages, de ces énergies, etc. On me parle aussi des énergies tierces. Souvenez-vous, et ça je vais essayer de vous le dire, je vous le dis souvent quand on est en coaching ou voilà, en guidance, machin, peu importe, privé, mais je vous le dis aussi ici, peut-être pas assez souvent en tout cas, mais c'est important, c'est pas un secret polichinelle, mais c'est important de savoir, les énergies tierces, souvent on a tendance à dire « Ouais, c'est l'autre, c'est parce qu'il vit avec un autre mec ou avec une autre nana ou blablabla, blablabla. » Non, 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 on est souvent notre propre énergie tierce. Notre propre énergie tierce, en fonction de ce que l'on vit ou de ce que l'on est pur, de ce que l'on conscientise et de ce que l'on veut faire comme boulot ou pas. Voilà, d'accord. Donc, attention de ne pas oublier ça aussi. Il y a besoin de stabilité, hein. En tout cas, il y a une traversée de mauvais espace. Votre autre prend des foudres karmiques, hein, sur certaines choses, notamment sur ses non-choix, j'entends. Donc, c'est pour les personnes qui ont un autre qui est un peu dans la procrastination, mais la procrastination de lui-même, quoi. Voilà, et dans la défiance karmique de sa destinée, des choix qu'il a à faire. Mais les choix qu'il a à faire, c'est pas nécessairement revenir vers vous. Le choix qu'il a à faire, c'est déjà de se choisir lui. Et là, on n'y est pas. On n'y est pas et du coup, il ne peut pas se stabiliser par rapport, il peut pas s'ancrer correctement s'il ne fait pas ses choix déjà pour lui, voyez. Après, c'est quelqu'un qui vous a reconnu au premier regard, hein, pour certains, dont on parle, en tout cas la personne qui vous est destinée, elle est the one, je ne peux pas t'oublier, you are the one. You are the one formidable, you are my love. Véritable. C'était quoi la chanson? Et j'aimerais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Ah, Charles Aznavour, c'est beau ça. Mais c'est à peu près ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, il aimerait pouvoir vous le dire, cet autre, qui vous aime. Ça viendra dans cette vie ou dans une autre.
Mais continuez d'avancer surtout, ne vous freinez pas, ne vous freinez pas. En tout cas, là, il a quand même quelque chose d'assez lourd à travailler. Hein. Vous, vous avez l'espoir, de vous retrouver. Hein. Je t'aime quand même, de l'amour inconditionnel. Mais c'est vrai que quand je fais en ce moment, j'ai fait pas mal de vidéos dernièrement, et j'en fais encore, des messages privés de votre autre, c'est-à-dire, vous savez, c'est ces messages d'âme à âme qu'on peut avoir pour le collectif, mais qu'on peut avoir pour soi, et il y a beaucoup de ça, hein. Il y a beaucoup de, c'est beaucoup, on prend d'amour, de je t'aime, et ce sont des autres qui expliquent pourquoi, à un moment donné, il y a eu cette stabilité, c'est on-off, parce que il y a eu des prises de conscience, et il y a des foudres karmiques qui tombent, hein, il n'y a pas de souci, ça, on est d'accord, mais ce sont des autres qui sont en chemin vers la réunion, mais déjà l'union avec eux-mêmes. Et tous ces allers-retours donnent aujourd'hui des résultats de beaucoup de culpabilité. Culpabilité, mais qui va avec l'épuration des blessures, hein, toutes sortes de blessures, notamment avec celle de rejet. Hein. Voilà, il est coupable de ce qu'il pense être des mauvais choix, mais comme je vous dis, il n'y a pas de mauvais choix. On est là où on doit être, il y a des apprentissages, il faut en faire quelque chose. Donc, mais en tout cas, ça provoque des masques, des faux selfs, de l'autocontrôle, des illusions, etc. Et on vous dit autant à l'un qu'à l'autre de sortir des illusions. Des illusions de cet absolu, du fait que d'être en couple sacré, ça pourrait être un couple absolu, d'amour absolu. Non, 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 non. C'est avant tout un parcours initiatique. Hein. C'est un parcours initiatique à la découverte de soi-même, d'accord? Ça, c'est très important. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'ego hein, de la part de votre autre. Ça n'empêche pas l'amour, hein. Il existe cet amour. Il faut faire la part des choses. Bien sûr que ce sont des frontières un peu subtiles, mais plus on avance dans le parcours, plus on apprend à poser des mots MOTS sur les mots MAUX, et alors c'est ça qui devient la conscientisation, qui devient élévateur, en tout cas qui permet une certaine clairvoyance, d'accord? Voilà. Et quand on dit garder la foi, certains me disent, mais alors pourquoi on me dit de garder la foi si c'est pas, si c'est pas pour être en couple? Parce que la foi, c'est la foi de s'aimer soi, la foi de s'élever, la foi de grandir sur ce parcours, la foi de tout ça. C'est pas l'attente. D'accord? L'attente, c'est de la dépendance affective. Faites attention de ne pas tout mélanger. En tout cas, bon, évidemment, j'ai la carte du retard, mais ça, vous allez me dire, on est au courant, Kiki, il est toujours, ou Kiki ou Kikinette, elle est toujours en retard. Finalement, c'est pas des vrais retards. C'est une façon de vous dire qu'à un moment donné, c'est faux self d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que si vous ne vous lâchez pas prise sur cet idéal ou cet idéal, cette course idéale vers l'amour absolu, vers la quête absolue d'un amour absolu qui n'existe absolument pas, alors vous oubliez de créer, de mettre des palettes de couleurs sur votre vie et vous ne vous offrez pas le meilleur. Et ça, ben, ça crée des freins et c'est du faux self aussi de votre côté, en miroir avec votre autre. D'accord ? Voilà. Après, c'est quelqu'un qui vous dit de croire en lui. Et croire en lui, c'est parce que vous vous réunirez d'une façon ou d'une autre, ici ou ailleurs. Le timing divin, il commence le jour à la création, ben, le jour où vous avez fait ce contrat d'âme, etc., de vous retrouver. C'est pour ça aussi qu'il est bien d'aller voir dans les annales akashiques. Pourquoi? Parce que dans ces annales akashiques, on peut avoir une sensibilité, s'être retrouvé dans plusieurs vies hein, avec son autre, ça c'est sûr, ou son âme sœur, etc. Et il se passe quoi? Il se passe que ben, selon les souffrances et les blessures que l'on a expérimenté au cours de ces vies-là, on peut faire des vœux karmiques qui font qu'à un moment donné, on a juré de plus jamais s'aimer, de plus jamais se retrouver, ou telle chose, parce que voilà, l'instant était trop fort, sauf qu'aujourd'hui, ça reste. Et ça, il faut aller le chercher, le pointer du doigt, le comprendre pour le conscientiser, épurer, poser l'énergie de pardon et pouvoir s'en libérer aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, pour que bah, dans le futur, ça ne se reproduise pas. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus, c'est important, ça fait partie du parcours. Voilà, et donc il faut le faire. Alors, ce n'est pas nettoyer, ce n'est pas aller chercher dans les annales, moi j'ai été ci dans telle vie, ça, 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 oh tiens, dans cette vie, j'étais ça, et puis il m'a tué. Oui, non, mais ça, vous ouvrez un portail, vous ne le refermez jamais, si vous voulez. Ça ne suffit pas, du tout. Et du coup, c'est ce qu'on vous dit, ça crée des blocages. Donc, mais j'ai l'impression de redire un peu, enfin vous me direz dans les commentaires, mais parce que bon, vous savez, on ne sait jamais ce qu'on dit à l'avance et on ne se souvient plus après ce qu'on a dit, sinon ça, on aurait la tête qui explose. Mais voilà.
J'ai l'impression que je vous redis la même chose, mais parce que peut-être ça n'a pas été compris par certains ou pas entendu, ou on veut être sûr que vous ayez bien compris ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, ça a de l'importance et ça vous permettra d'avancer. Bon, en tout cas, vous recevez hein, en 5D, je m'ouvre à toi. Hein, voilà, c'est que oui, il y a des émotions qui s'ouvrent, un cœur qui s'ouvre, une reprise de communication hein, pour certains. On fait attention aux signes. Pour d'autres, on s'est retrouvés. Il y a des choses à co-créer. Et quand on se retrouve, faut croire en l'autre aussi. Hein, ne pas oublier que cet autre, il peut différer de l'absolu et de l'illusion que vous êtes fait de ce couple parfait, parce que c'est tout sauf ça. Le lien karmique ne fait pas le couple ne fait pas le lien karmique, je vous le rappelle, faites attention. Et on vous dit qu'il y a encore des fragilités, des instabilités. Prenez le temps d'avancer main dans la main si vous êtes ensemble, main dans la main avec vous pour mieux retrouver cet autre, voilà, dans une stabilité et une compréhension de cet amour absolu qui n'est pas un idéal, qui est juste l'accueil de l'autre tel qu'il est et des choses telles qu'elles doivent être. D'accord? C'est important. Ça vous permettra d'être peut-être plus en paix. Voilà. Bon, mais en tout cas, il y a de belles choses. Hein. Bon, il y a encore des peurs. Hein. Il y a des peurs, il y a des peurs. Ouais, il y a des peurs chez votre autre. Il y a des peurs chez votre autre. Vous avez envie de vous parler. Donc, bon, la féminine pour régler peut-être un peu ses comptes, mais pas que. On a envie de se parler, de se toucher, d'avancer, hein, d'avancer, de co-créer. Alors, peut-être pas pour des réunions immédiates pour certains, pour des pré-réunions pour d'autres, pour des retrouvailles pérennes, mais les choses avancent dans le bon sens. Donc ça, c'est plutôt sympa, même si vous estimez que ça ne va pas assez vite. Ça va à l'allure où ça doit aller, parce qu'après, c'est pas la peine que ça se casse la gueule. Hein. Ouais. Donc, en tout cas, on est en train de remettre un peu de féminité dans tout ça, de rondeur, et ça depuis plusieurs guidances. Donc c'est plutôt bien, on continue vers cette ascension. Donc ça aussi, ça prouve que ben c'est pas en pente douce, voilà, on est vers l'élévation et on se libère, on lâche prise. On commence à prioriser, à se prioriser, et du coup, ça nous permet de prendre cet envol, seul ou à deux, hein, voilà, ou à plusieurs, dans tous les sens du terme, hein, parce que il y a beaucoup de choses aussi hein, qui évoluent professionnellement, sur les dons, vous êtes de plus en plus nombreux à prendre des rendez-vous. Alors oui, je vais vous rajouter des rendez-vous pour les accompagnements spirituels, c'est-à-dire pour vous accompagner dans ben, la compréhension, pour pouvoir, de vos dons, etc., des choses qui se développent dans votre vie, qui se présente à vous pour pouvoir vous aider à mettre de l'ordre un peu dans tout ça, ouvrir les bons canaux, ouvrir votre troisième œil, etc. Donc ça peut aller de la cartomancie, magnétisme, guérisseur, enfin bon, ce que vous voulez, passeur d'âme, il n'y a pas de souci, j'ai pas de frontières là-dessus. Mais je l'explique parce que certains m'ont demandé, donc du coup je vous réexplique. Et oui, je vais vous ouvrir plus de créneaux. C'est vrai que voilà, certains m'ont demandé, ils ne trouvaient pas les créneaux, je vous promets, je vais le faire. Bon, alors on me parle de séparation, ben oui, hein, certains sont encore en pause, en séparation, voilà. Mais votre autre sait que, bon, voilà, j'ai la clé, je suis la clé, il le sait. Il le sait, mais oui, il a pris des foudres karmiques là récemment, ça a piqué un peu, ça a piqué la coquille, hein, l'escargot, wouh! Petit escargot devient dragon. Ben oui, parce qu'il y avait des choix à faire et qu'à un moment donné, ben, je n'arrête pas de dire qu'un non-choix est un choix. Donc, ben, quand tu veux pas les faire, Kiki, ben, là-haut, petit coup d'élastique ou d'électricité. Et ouais. Ouais. Il est un peu chargé quand même, bon, mais voilà. Certains ont pris un petit coup d'éclat, mais ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien par là où ça passe, j'ai envie de te dire, à un moment donné. N'oubliez pas, féminine, que votre autre avance, etc., mais qu'il peut choisir aussi de ne pas revenir vers vous. Ça, on me demande de vous le rappeler. Hein. Ça s'appelle le libre arbitre. Hein. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. C'est pas parce que c'est pas là aujourd'hui que ça n'arrivera pas dans un autre temps. Bon, laissez faire les choses, peut-être qu'elles doivent se dérouler, je sais, hein, c'est compliqué, mais c'est nécessaire. En tout cas, pour certains, il y a quand même eu
bon, de la séparation, de la distance, hein, un silence radio, un peu pesant mais nécessaire, ça c'est sûr. Et qui est encore là. Et qui est encore là pour certains pour quelques temps, parce que ça va vous permettre d'avancer et de vous offrir le meilleur. Tant que vous ne vous ouvrez pas à tout, et ça passe par faire le deuil d'une relation qui n'est pas, hein, voilà, d'une idéalisation d'une situation, même si effectivement c'est pas très agréable à entendre, mais ça permet d'avancer, c'est ça qui est libérateur. Et ça vous permet d'oser, on vous dit oser sortir de votre coquille, décidément, hein, l'histoire du petit escargot, vous avez vu, je recommence. Ben c'est un peu ça. Pourquoi ? Ben pour faire tourner la chance, attirer à vous la chance, la prospérité, accueillir cette réussite que vous méritez tant, pour laquelle vous avez bossé. Hein. Voilà. Vous allez clôturer en tout cas des chapitres et votre offre aussi. On est en fin de cycle pour pas mal d'entre vous. Il y a aussi bon, de pas mal de désirs. Hein. Oui, votre autre a envie de vous, vous avez envie de lui. Mais pas que. Pas que. On est dans une espèce d'attraction magnétique, mais... très belle, très douce, très élévatrice pour le coup. C'est pas du cul pour du cul. Voilà, si j'ai envie de vous dire tel que je pense, vous savez que j'appelle un chat, mais donc voilà, c'est pas du sexe pour du sexe. C'est vraiment, c'est pas non plus du sexe dans le côté sacré, voilà, on est dans les énergies de Kundalini, de trucs, de machin. Non, 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 on est vraiment dans du désir pur. Doux, partage, sensuel, profond, c'est très beau ce que je ressens. Mm. Par contre, il va falloir vraiment libérer vos chakras de la gorge, mes poulets, parce que il y a des choses à dire, mais verbalisez-les, vous, avec vous. C'est pour ça qu'on vous disait, faites-vous aider et tout ça, parce que ça vous permet aussi d'avoir un espace à vous pour parler de ça. Parce que quand on a un bien d'âme, quand on reçoit des choses, machin, on ne sait plus des fois démêler le vrai du faux. On a besoin de... ben, d'entendre qu'on n'est pas cinglé, hein. C'est un peu chat, mais qu'on n'est pas seul non plus, voyez. Voilà, cet espace de parole, c'est pas nécessairement aller poser des questions à un autre qui n'a pas envie de répondre et qui finalement vous doit rien, n'a rien à vous dire et vice-versa. C'est, ben voilà, au travers d'un espace... que vous vous créez d'échanges, alors guidance, coaching, ce que vous voulez, amis, ou en tout cas qui est en parcours, hein, dans ces parcours-là, pour pouvoir libérer cette parole qui vous étouffe un peu, d'accord ? Parce que le partage, c'est important, parce que c'est pas évident, voilà, c'est tout. Ouais, j'ai encore l'élévation spirituelle, là, hein. Initiation, sagesse, vibration énergétique, c'est bien. C'est bien. C'est vraiment bien. Je sais que tu es ma chance. Et je sais que tu es ma chance, c'est pas forcément quelqu'un qui sait que vous êtes son tout et son absolu. Mais d'un côté comme de l'autre, c'est la chance de se trouver soi et de se libérer de tous ces carcans du passé, de ce qui... de ses croyances limitantes dans l'ici et maintenant pour pouvoir créer un futur élévateur, voilà, lumineux, et entrer dans son chemin de vie pour distiller cet amour inconditionnel, bon, déjà que l'on se donne à soi mais aux autres aussi. Ça c'est merveilleux, hein. Je ressens quand même, voilà, quand je dis ça, ben oui, j'ai des féminines qui sont un peu, mais c'est pas juste faire tout ce chemin, tout ce que je vis pour ça, nanana, si c'est pas pour le retrouver, je vois pas à quoi ça sert. Bon, ben si, ça sert à te trouver toi. Et c'est la quête absolue de ces parcours, en fait. Voilà, c'est pas l'amour avec je suis en couple et puis après c'est cool, je retrouve mon autre, pas du tout. Voilà, bon, ben, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, c'est ça. Alors, essayez d'enlever ce masque de la rigidité. Ce masque de la rigidité, il est un des masques compensatoires de la blessure d'injustice. Sortez-le, ça va vous alléger. Et c'est là que tout devient possible. Même avec le lien. Vous voyez ce que je veux dire ? Le contrôle, je ne vous le dirai jamais assez, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la tête, c'est l'ego qui fait le contrôle. Vous avez la maîtrise. Et encore une fois, la maîtrise, ce n'est pas le contrôle. C'est la maîtrise des outils que vous avez. Servez-vous-en pour en faire quelque chose, pour bâtir, pour... vous voyez ? C'est ça, en fait. Et ça, c'est très important parce que sinon, ça devient aliénant. Bon, voilà, on vous dit que la connexion, elle est là. Âme jumelle, âme sœur, c'est là. C'est là.
c'est là, pas de doute là-dessus. Hein. Pas de doute là-dessus, vous êtes protégé, des choses se passent. Mais continuez de co-créer avec vous et pour vous, parce que c'est nécessaire. Et là, on me reparle encore de karma. Hein. Voilà, de mettre un petit peu à nu ce karma, etc. pour pouvoir évoluer vers cette complétude. Il y a encore des étapes à franchir, mais en tout cas, félicitez-vous, vous êtes dans une belle évolution. Hein. Vous tendez vers le cadeau, la surprise, pour donner et recevoir. Hein. Donner et recevoir, c'est quoi? Toi et moi, l'alchimie, la fusion, c'est nous. 1 plus 1 égale 1, là c'est écrit, mais c'est surtout 1 plus 1 égale 3. Voilà, c'est ça qui est important. Et j'ai envie de dire, ce 1 plus 1 égale 1, c'est quoi? C'est équilibrer vos propres polarités, puisqu'on est un peu chaser, un peu runner, pour ceux qui tiennent à ces appellations-là que je n'aime pas du tout, mais voilà. On est à moitié yin, enfin, on a du yin et on a du yang. Donc là, on est quand même dans l'équilibre, dans l'équilibrage de ces polarités en nous, pour faire cette unicité d'abord avec nous. D'accord? C'est ça qui va permettre de pérenniser et de s'offrir le must du must, c'est-à-dire une complétude pour soi, avec soi. En tout cas, moi, je trouve ça très beau. Je trouve que c'est très doux et on a fait pas mal de ménage, on a fait pas mal de conscientisation. Il reste encore du boulot, mais du boulot, on en a tous et à tous les niveaux. D'accord? Ne vous arrêtez pas à... et alors, il revient quand? Parce que si vous vous arrêtez là, c'est que vous n'avez pas commencé le travail correctement, en fait. Voilà, vous n'avez pas dépassé la première étape de la dépendance affective. On y passe tous. Mais vraiment, il faut aller bien, 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 bien au-delà de ça et des compréhensions pour pouvoir s'offrir le meilleur. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire avec vous. En tout cas, je trouve que il y a du beau boulot de fait. Bravo, bravo, bravo mes belles âmes. Continuez ainsi. Tiens, on va prendre un petit peu un message du Namasté. Je ne sais pas pourquoi. Il me fait de l'œil. Alors, puisqu'il me fait de l'œil, allons-y, gaiement. Ce sont belles ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Petit message de Namasté. Il me fait de l'œil, mais tu vas voir qu'il va me donner aucune carte. C'est pas la peine de... Et j'ai encore Sabine Paturel, truc de fou. Je pense qu'il y en a quelques-unes là-dedans qui ruminent un petit peu. Voyons. C'est de l'abandon de trahison. Je sais pas... Je sais pas ce qui s'est passé... Bénédiction de ton âme, tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Bénédiction d'un bouleversement émotionnel. Un orage émotionnel se forme et certaines choses vont te paraître chaotiques pendant un moment. Mais lorsque la tempête se dissipera, une bénédiction se manifestera. Respecte tous les points de vue, car chacun d'entre nous perçoit le monde différemment. Certaines choses sont ébranlées pour une bonne raison, et tous les intéressés y trouveront un bénéfice. Donc, est-ce qu'on a autre chose? Oui, on me dit de lire celle-là. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Ben voyez, on vient de vous donner une bénédiction. J'ai juste envie de vous la relire, d'accord? On prend une grande respiration, je vous la mettrai aussi sur Facebook, d'accord? Allez, on écoute ça. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Je comprends mieux pourquoi on m'a demandé de vous la lire. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Enfin, voyez. Voilà. Vous y verrez ce que vous voulez.
là-dessus. En tout cas, j'espère que cette, j'allais dire que cette bénédiction, c'est marrant ça, que cette guidance vous aura aidé. Il y a quand même pas mal de belles choses. Il y a des petites choses quand même à revoir sur du développement personnel, etc. Peut-être que, alors demain, demain ou demain soir, parce que demain, je m'occupe de mon fils ici, ce sont les vacances scolaires, donc je ne serai pas trop dispo demain. Mais demain soir, j'essaierai, quand le dodo viendra, de vous faire une guidance cette semaine sur et la féminine et le masculin, parce que je sens qu'il y a pas mal de petits bouleversements, des choses à régler. Peut-être y aura-t-il des outils. Bon, des fois, je vous dis, je vais faire ça ou ça, mais les guides en décident autrement. Voilà. Je sais qu'il y a certains qui m'ont dit, ouais, je voudrais une guidance sur les célibataires. Bon, bah, écoute, pour l'instant. Ça en fait partie puisque c'est pour tout le monde, hein, ces guidances-là. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Mais célibataire, célibataire, j'ai pas encore, ou triangulaire, c'était pas encore ça le message. Alors peut-être qu'il y aura des petites énergies demain matin. Je ne sais pas honnêtement ce qu'on va vous proposer. Mais je vais vous proposer peut-être un peu plus de vidéos cette semaine. Je vais essayer en tout cas pour vous éclairer puisque je sens qu'il y a des énergies un petit peu en dessous de là. Voilà. Hein. En tout cas, je vous fais de gros gros bisous. Merci d'avoir été avec moi pour ce moment. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à papoter avec vous. Des bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao!